Il était beau. Heureusement qu'ils n'ont pas planté cette année. On coupe ce secteur-là d'abord, parce que ce ne sont pas les mêmes, et après on met... C'est de quel rang? Là-bas. Oui, il y en a à gauche. Mais on va prendre au fond, allez hop. C'est mieux, mais il faudrait aller peut-être de ce côté là, non? Pour se mettre de ce côté aussi. Vous me dites. Et puis après, on cueille toutes les grappes? Oui. Même celles qui sont un peu abîmées? Oui. Après, vous pouvez voir, après quand vous pliez, on les manage pas, vous pouvez voir. Tiens, Georges. Il y a une boisson là. Vas-y, vas-y, tu peux y aller. Regarde, t'as vu celui-là, là, on laisse, hein, je le coupe et il avait je le coupe. Puis je vais l'achouper comme ça. Là. Et mettre toujours un peu de blanc dans la vendange. Qu'est-ce que vous appelez le blanc? Mais les raisins blancs. Les raisins blancs. Ah oui, d'accord. Nous, on a vendangé jeudi dernier, on devait vendanger vendredi. Mon mari a téléphoné à Gourdon, on a vendangé à 1h30, parce que le lendemain, il a plu toute la journée. Et ce matin, mon mari, il faut le vin. Je vais pouvoir mettre mon short, moi. S'il fait beau. Hein? Peut-être, à tenir. J'espère. C'est pour ça, comme je ne savais pas, j'ai mis entre les deux. Et moi, ce qui m'est arrivé, il y a plus de 15 jours, j'ai des lapins, je suis tombée à l'endroit de lapins, je suis tombée sur des cailloux.
Je suis vite lavée à les urgences. On m'a mis des points là, mais je mets un pansement parce que c'est sensible. Passé à la radio, il n'y a rien de cassé. Mais c'est sensible et puis le doigt est enflé encore. Vous voyez ? Eh bien, laissez, on va faire, nous, madame. Reposez-vous. Fait un temps d'enfer, dis donc. Je vais mettre mon petit maillot, j'aime. Voilà. Là. Hop. Moi, le père de mon mari était facteur à Saint-Céré. Ah ouais. Et il est à la retraite, ça fait un an, il est parti vivre à Montauban. Ah oui. Il n'est pas marié, mon frère. Je vais passer sur les buffets. Allez, pas tomber. Bonjour, Mathias. C'est lourd, ça. Mais c'est pour ça qu'il faut les reporter à nous. Mmh. On va en faire du régime table. Bah oui. T'attends encore. Si t'attends 50 ans, qu'est-ce que tu sais jamais, tu sais, il y a le progrès, hein, tu sais, maintenant. Hein. Ah hein, il les prolonge un peu, hein, les papilles. Hein. Voilà. C'est vachement sympa. Hein. Là, il fait beau, c'est génial quand il pleut. Moi, ce sera la deuxième fois de la vie que je ferai des vendanges. J'ai fait les vendanges quand j'avais 10 ans. Chez mon grand-père. Comment commencer le 1er octobre. On était en vacances au mois de septembre. On avait fait les vendanges. C'était super sympa. Ça sentait bon dans la grange après. Aller au pressoir, c'est... Mais j'en garde, tu vois, c'est un truc qu'on a fait qu'une fois, qui a duré une journée. Ah ben, j'en garde un souvenir. Donc, c'est la deuxième fois que je fais des vendanges. Avec 57 ans d'écart, ce sera là donc la dernière fois de ma vie que je fais des vendanges. Ben, ça... C'est bon. Si tu veux corser un peu le... Brigitte, elle a fait sa première vendange. Le débat, parce qu'après Jean-Pierre, il va pas le regarder. Voilà, tandis que si tu fais causer les gens les uns après les autres, il va regarder. Parce qu'après, il y aura de l'intelligence dans le système qui va se dégager du film. Hein? Jean-Pierre, maintenant c'est terminé. Maintenant, l'autre, c'est au pochon. Là, on a fini, ça. Là, il faut tout remonter. Là, on va tout remonter, ça. Voilà. Et tout là. Ce qui reste, c'est au pochon. Et alors là, c'est quoi ces petits... Ceux-là, on fait à part. Ça, c'est notre variété. Et les bruits montent. C'est bruyant. Oui, mais maintenant, t'as la retraite. Ouais, mais enfin, tu vois, 5 heures de route, c'est bien. Ah oui, mais tu viens 15 jours. Tous les mois, tu viens 15 jours. 15 jours s'insérer. 15 jours... Moi, c'est ce que je ferais. Mais pas dans la vie. J'étais obligée de aller me chercher. Ah oui, mais je vais, comme j'ai dit, okay. Mais je vais y envoyer Jean-Pierre comme ça. Il portera pas. Ça sera bien. Entendu. Je vais merci. À bientôt. Au revoir. Mais là, il faut surtout aller acheter d'autres trucs. Hein. Je vais faire des photos, tiens. Tu veux pas qu'on le renverse, Jean-Pierre ? Oui. En trois comportes pour... J'ai été intelligente de mettre une chemise blanche. Bon, je redescends. Il y a de la production, hein. Après, pour le vin. Oh, dégoûtant. Dégoûtant. Il y a quand même... Il y a
quand même des grappes qui sont un petit peu avancées. Hein. Vendange tardive. Eh oui, ils exagèrent. Et puis alors, vous savez, ils ne viennent pas arranger les chemins. Mais je suis allée à la mairie avant-hier dire qu'ils arrangent le chemin au corps. Ils ont monté la terre, ils n'ont pas arrangé. Je suis allée le signaler à la mairie, moi. Ah bah oui. Mais ben dites, quand même, hé. Pour tomber dans le jardin, pour couper, etc. Eh bien, où est-ce qu'on va mettre après les déchets verts? Il n'y a plus de ramassage. Eh oui. Alors, vous me filmez? Non. Alors? Un petit peu, les autres. C'est normal. Ouais. Attends, viens, ouais. Non, ah bon. Oh eh ben alors, ouais. On va bien le voir. Hop là. Merci. Au revoir. Ben non, je raconte la niche aux chiens, c'est intéressant. Jackie, elle m'écoute, hein. C'est bon. Ben alors. Nous en étions à Torchy. Torchy. Alors, j'enlève une pierre, j'en remets une autre. Allez, là. Toi là-bas. Il y a une dame de Cornac qui nous fait voir, Madame Vandange de Leyve et Madame Drivaud de Molière. Et on s'entend très bien. Eh bien, quand je serai vieille, je viendrai. Voilà. C'est de 2h30, 5h, tous les lundis. Ça reprend lundi. J'allais dire, mais t'es déjà vieille. Ça reprend lundi. Elle m'a envoyé la cotisation. Ah bon? Mais je ne serai pas là lundi. Lundi, tu travailles. Ben moi, j'ai rencontré Madame Hérol à Gamme Vert. C'est pour ça que ça prend du temps de faire des courses. Oui. Et alors? Eh bien, c'est des gens qui travaillaient en famille. Oui. Avec bah vous y allez à Touré, vous, alors? Essayez, le fils va tout courir. Non. Bah, il meurt. Le fils va tout courir. De qui vous parlez, Hérol? Le coureur. Qu'est-ce qu'il a, le fils? Qu'est-ce qu'il a, le fils? Le fils Hérol, qu'est-ce qu'il a? Hérol. Oui, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, des gens très, très gentils. Ah oui. Des gens très gentils, le fils, il les a foutus dehors. Regardez la vigne d'à côté, c'était celle-là qui donnait avant. Hein. Elle était superbe. Elle était superbe il n'y a pas longtemps. Hein. Il n'y a pas longtemps, celle de Jean-Pierre était pire que celle-là. Il est pire que ça. Il n'y avait rien là. Là, il n'y avait rien. Elle n'est pas entretenue? Non, le mec est mort et voilà. Oui, mais Georges, il a des mains d'ouvrier maçon, lui. Eh ben oui. C'est mieux, mais seulement quand il touche une caméra ou un ordinateur, il appuie toujours sur deux boutons en même temps, il s'en rend pas compte. Hein? Les draps en chambre. Coupe un peu. Les mains de maçon. T'as jamais vu Georges à l'ordinateur? Il veut appuyer sur un bouton, paf, il y a trois qui s'allument. Oh si, il s'énerve. Ah, bah parce que, dis donc, tu dois mettre le paquet. Parce que il s'énerve de temps en temps. Ah oui. Oui, mais parce que toi, tu es une femme soumise. Non. Hein? Voilà. Il y a le poteau, je veux dire, les conneries. Ça va pas, non? Ça va encore. Hein, tout seul, tu peux faire quand même, là. C'est les mecs dans le temps qui portaient tout ça, la haute. Hein? Mais la haute, c'était... C'était en c'était boudron. C'était à dos, quoi. C'était en boudron. Et c'est bien équilibré sur le dos. Hein. Oui. Ouais. La haute, ça devait être vachement lourd. Non, mais tu remplissais dans le panier, tu remplissais les compotes. On arrive à tasser quand même. Hein. Allez, regarde, ça fait quoi le raisin au sang? Le raisin au sang. J'ai remonté le corps, dis donc. Si, va bien. Hein. Pourquoi elle s'est coupée? Oui. Ah, je croyais que c'était du. Ah ben moi, à chaque fois, je me coupe. Genre, tiens, je vais fermer ta voiture. Comment je vais courir? Georges, il est content parce que sa voiture elle s'allume de très loin. 200 CA, elle s'allume. Il a dit à ses enfants qu'il allait chez Roussy. Donc, il s'est perdu. Bah, il est sûrement arrivé quelque chose. Soit il s'est trompé d'heure, soit...
On était plus paisible. Plus organisé. C'était organisé avant. Ah bah c'est que c'est dit, c'est des professionnels quand même, les mecs qui faisaient ça tous les ans. Hein. Là c'est le début quand même. Puis quand t'as pas le matériel, tu dépends de tout le monde, c'est ça le problème. Et voilà. Oui, il a du boulot pour remettre tous ces piquets là. Ça se fait quand l'hiver, ça peut-être non. Oui, non, ça, on l'avait aidé avec Marc et puis Brigitte. Je sais plus à quelle époque c'était, ça va être au printemps. Il refasse des piquets d'acacia. On travaille en consultation à la piscine. Ce travail. Donc on viendra trois jours. Et avant, oui. Ah ben j'irai chercher avec quelqu'un. Avec la remorque. Ou, la journée perdue, moi. La journée perdue. Alors que vous êtes avec nous, ah c'est là. Du bon temps de gagner ça, hein. Et hey, avec les belles femmes et tout. Pour le travail. Regarde notre. Oui, oui. De la haute société. Voilà. Ah, je vous faut aller voir au moins le député. Ouais, ouais, attendez, ouais. Je vais vous le reprendre. J'ai pas. Ok. Hop là. Allez, voilà. Et ça c'est joli, mais alors c'est. On prend même ça là. C'est d'une lourdeur incroyable, là. Pour faire le ratafia. Monsieur Baye te dira que le ratafia, ça se fait pas dans le. Dans du bois. Il y a un échelle à faire. Ah oui, il y a un échelle à faire. Ouais, ouais. On est gouverné par des cons. Oui, oui. Aussi quand les gendarmes m'arrêtent. Ben, c'est leurs intérêts. C'est leurs intérêts, quoi. On aurait dû faire le concours de la plus grosse grappe. On y va. Ça, c'est ma vigne personnelle. J'ai vu Madame Mayonov. Elle me dit, on est monté l'autre jour. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a comme raisin? Mais non, Jean-Pierre, il est midi. Je ne veux pas, Jean-Pierre. Mais tu oui, mais ça. Non, avec mais la toi bouffe. Aussi, tu sais, tu viens. Il faut pas arrêter. Tu sais ce qu'il a? On va manger à midi, il faut qu'on fasse des saucisses grillées entre temps. On l'avait bien fait l'année dernière, mais cette année, il faut plus. Eh ben, tu le fais, mon grand. Il y en a pas. C'est pas dur. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ça, c'est... J'aurais dû rassembler mieux les braises. Il fait
cacher. Au revoir. On a eu du pot, hein. Allez, pêchons-nous. Mon mari me l'a dit, prends quelque chose parce qu'il pourrait pleuvoir. Mon mari se trompe pas, vous voyez. Vous l'avez écouté? Oui, j'ai pris ce qu'il faut. J'ai pris ce qu'il faut, moi je prends ce qu'il faut quand même. Oui, bonjour, monsieur Roussy. Vous avez fini de presser. Allô? Monsieur Roussy, tu as... Allez! Non, on peut mettre dessus. Tu mets dessus? Non, non. Non, non, vous. Non, on va vous les deux cubos, c'est la même hauteur. Attends, il faut celle-là. Au milieu alors. Voilà, au milieu. Monsieur. Ça va pas l'écraser. Mais il va passer un quart d'heure, hein, le raisin après. Hein. Ah, il a la lampe. Non, je vais aller acheter. Monsieur Bell, il a dit que le rat de la fière, c'était un peu plus. Non, le gars, il a la Au Maroc, mais il a le pouvoir sur la, il a le pouvoir, la condition il a de la femme. Et quoi? Au Maroc, c'est agaçant. Il l'a vu. Ah, voilà, moi, je l'ai pas vu. Moi, j'ai l'expérience parce que j'y croyais. Je suis pas allé à la Bastille. J'y croyais un peu. Donc, alors, je te dis, Georges, il n'a pas vu. Mais il a vu un coup. Il a été à l'hommage qui a été rendu volontairement. Et moi, j'ai pas été. Il a sorti un disque. Il ne faut pas donner le pouvoir à des gens capables quand même. Ah oui. Vous l'avez pas donné. C'est la mouche du col. Non, je suis pas associée. Attends, non, 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 mais attends, à l'époque, vous êtes sans Mitterrand. Je suis, parce que je considère qu'il a pas fait tous les espoirs. Il a commencé à faire, il a tout fait. Voilà, mais je considère qu'il a fait des choses. Au début. Là, c'est pas la peine que je téléphone à la famille. Alors, je vais pas me lever, là. On me l'essaye d'endormir un chouchou. Ah non, elle est peut-être à mon sang. Ils doivent être à la maison. Ah, mais chez Castorama. Et les... oui, 25 euros de ticket. C'est un truc, ça sent la recense. Hein? Ah non, non. Ah, non, non. Ah, je peux te dire, moi, je vous ai plus chez le Roi de la Danse. Gros comme ça? Grosse? Plus comme une... comme celle-ci? La moitié d'une brie. Là, regardez. La moitié d'une brie. Loin des soucis, découvrir ce pays enchanteur. Chant de Paris, venez ici, trouver un peu de bonheur. La bonne table vous attend, rayette et foie gras, plus le confidois, servi par des gens accueillants qui vous disent en souriant le bon vin de Cannes nous fera tourner. Le bon vin de Cahors mettra le cœur en fête. Par lui, on oubliera sûrement tout notre tracas, tous nos tourments. Et on découvrira un jour toutes les douceurs de l'amour. Bon vin de Cahors, chanté partout à la ronde. Le bon vin de Cahors, il fera
Qui hurle. C'est ton prêtre. Il faut mettre le nôtre sous la vitre. Voilà. C'est du bon jus, ça, c'est le gaspiller. Vous le gaspillez, le jus, là? Oui, à chaque fois. Il faut mettre notre comporte sous là. Je vais en mettre une, là. En plastique. Oui, oui. Vous voyez comme ça coule. Je vais le gaspiller, je vois. Vous pouvez goûter que vous soyez. Oui, oui. Il y en a deux, là. Mais tu celui-là, un traqueur, il y était, mais. Il n'y a pas besoin de chaptaliser cette année. Je pense pas. Je n'ai pas fait. Je pense pas, hein, parce que c'est, il est quand même bien sucré. Hein. Et vous faire leur attaquer, ils vont le faire. Ah, ça c'est très sympa. Quoi? Maintenant, ces jeunes, ça vaut rien, ça boit que de l'eau. Ah oui, ça vaut rien ça. Surtout bière, quand elle est polluée. Heureusement qu'il a plu. Quand l'eau est polluée, ça ne vaut pas du vin. Hein. Et monsieur Bail, alors vos barriques, elles sont vides? Ça y est, c'est fini. Moi. Je peux y foutre un feu. Hein. Personne ne boit du vin. Il faut que j'y mette du. Comment ça s'appelle? Des machines américaines là. Du Coca-Cola. Du Coca. Là, il y avait un grand pressoir qui contenait, je ne sais pas comment il comporte là, de mare. Tout change, et ça change de plus en plus. Ben bien sûr. Ça change de plus en plus. En tout cas, c'est une énorme ferme. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Dans le temps, c'est la fille là-bas. Il faisait le blé d'un côté et le fer de l'autre. C'est tout en herbe. Il y a quelques vaches qui se promènent, que ça ne gagne rien, mais enfin, ça boute l'herbe, ça nettoie. Ça entretient. Ratafia. Gabi, non, merci. On touche un autre, alors. Ratafia, oui. Oui. Moi, ça va être de l'eau, moi. Oui, attendez, bon. Vous voulez pas goûter ce que je fais de pêche? Allez, une goutte, allez. Pour nous. Et attendez, je vais boire l'eau, d'abord. Bon. Moi, je ne rachèterai. Tu lui dis, hein. Tu lui dis. Oui, on peut t'en donner. Tenez, vous goûterez ça. Non, non, donc, vous mettez le bouchon. Le bouchon qui descend dans la queue, oui. Vous voyez, le couvercle qui descend, s'arrête sur, à la qui s'arrête, qui repose sur le vin, oui. Et il y a un petit espace entre la cuve, parce que ça fait ça le couvercle. Hein, il y a une encoche. Non. Non, ça fait comment dirais-je? Il y a un rebord. Il y a un rebord sur le couvercle, et vous mettez, mais vous demandez à monsieur Bail, son gendre, il en a plein, il sait comment ça fonctionne. Et vous mettez un joint de paraffine entre le couvercle et le bord. Mais vous allez lui marquer, comme ça il se rappellera. Mais non, mais... Vous faites un joint, voilà. Avec de la paraffine. Vous faites un joint, avec un huile tout autour, de paraffine. Avec de l'huile de paraffine, vous mettez l'huile de paraffine tout autour, entre le couvercle en fait, c'est pour pas qu'il y ait et la paroi, pour éviter que l'air... Ça reste liquide. Quand vous soutirez du vin, le couvercle descend. D'accord. Oui. Et la paraffine descend aussi, et donc ça continue à faire le joint. Ah, et donc il n'y a pas d'air. Ça vous évite de le mettre dans les barriques. Pour éviter la fermentation aérobie. Voilà. Ça va tenter. D'accord, mais il faut... Tu soutires en dessous et tu arroses le mou. Tu le mets par-dessus. Voilà. Mais les premiers jours, je vois que je... Vous Jean-Pierre continue à dire, il fait 3 sauts. Alors René, hein. Tu auras une tête bon comme ça. René. Sacré René, va. Encore, je crois, il n'est pas bon. Je vais ramasser jusqu'à la pointe. Sacré René. Mais, on met plus longtemps, on n'est pas resté. Oui.
Mais on met surtout encore plus moins de temps pour descendre. Pour monter encore plus, pour descendre, on met encore plus de temps d'habitude. Ouais. Ouais, mais pour monter, c'est pareil. Si on met pas de temps. Les genoux, ils ont du mal à se plier. Alors ça marche pas.